What's going on, guys? Et bienvenue pour Dark Cloud. On est reparti sur de la PlayStation 2 en 2000, enfin 2001 pour nous et 2000 au Japon. Alors, un des plus grands RPG de tous les temps, parce qu'il y en a quand même pas mal hein, avec tous les Final Fantasy et tout ça. Et je crois que Dark Cloud c'est un des meilleurs aussi. Et il y a même eu des pétitions en fait pour faire un remake, pour sortir sur PC, pour faire des trucs tellement qu'il est bien en fait. Je dois dire que c'est un très très bon RPG, moi j'ai des très bons souvenirs avec, et très très long. Et en fait il mélange le côté RPG, tout ça, on a des stats, on a des armes, etc. Avec un... pas un monde ouvert, mais il y a aussi en fait de la stratégie où c'est qu'il faut recréer en fait votre village, donc il y a de la gestion. Comment dire, enfin il y a de tout quoi, il y a vraiment de tout. On rencontre plusieurs personnages, l'histoire est cool, les graphismes sont super top, le gameplay aussi est très très bien. Voilà, c'est un peu le RPG old school plus ou moins parfait quoi. Franchement, il y a vraiment rien à dire dessus. Donc il a été édité par Sony Computer Entertainment, donc c'est pour ça que le truc restera sur PlayStation 2 et ne sortira sur rien du tout. Voilà, hein, quand ça vient de Sony, c'est toujours comme ça. Développé par Level 5, je crois qu'il n'existe plus. Hein, voilà. Mais en tout cas, voilà. On va regarder vite fait les options parce que je me rappelle pas s'il y a quelque chose d'intéressant. Message display peut-être un peu plus rapide. Le reste, on est bien. Donc, un des meilleurs RPG qui existe. Je crois qu'il n'est même pas disponible sur le Play Store, si je ne m'abuse. Enfin, je suis pas encore sûr. Mais c'est un jeu en fait de PS2 qui pourrait être sur des consoles portables, genre la Vita, tout ça, ça serait bien. Mais il n'y est pas. Bref. On va commencer parce que la cinématique est assez longue. Mais voilà, bon déjà je peux dire que c'est un très bon RPG, ça a très bien vieilli, le jeu est encore superbe. Foncez si vous n'avez pas joué. Et après il y a Dark Cloud 2 qui est encore... Enfin, j'ai moins joué à Dark Cloud 2, donc je peux pas dire s'il est mieux, mais je sais qu'il est aussi bien. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, il est aussi bien que le premier. Donc les deux jeux sont encore des très 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 bons RPG. Des actions RPG même. Parce que vous allez voir que c'est pas tour par tour, c'est action. Voilà. En tout cas, c'est parti. La musique est cool aussi. Bon, un livre a été trouvé. Blablabla, blablabla. Bla bla. On va zapper tout ça. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que votre village. Je crois qu'il y a un génie qui va. Enfin, je vais faire ce que je me rappelle. Je vais expliquer ce que je me rappelle. Il y a un génie qui va emprisonner en fait des parties de votre village et vous allez devoir aller les récupérer pour déjà sauver vos amis. Et après en fait il y a plusieurs villes comme ça qui ont été mis en pièces en fait. Et vous allez aller dans des donjons et en gros, tiens on peut même le renommer un peu comme à la Zelda. Voilà donc il s'appelle Tohan. Tohan. Et en gros le gameplay tout le long du jeu, plus ou moins... c'est d'aller dans des donjons pour récupérer des parties du village et après de reconstruire le village. Donc à chaque fois, comme je disais, reconstruire le village, par exemple, vous allez reconstruire un magasin, vous allez sauver vos amis, donc ils vont venir vous aider ou alors vous donner des objets. Le magasin, bien sûr, vous allez pouvoir acheter des choses. Et en fait, plus vous faites ça et plus ça grossit, plus le village devient grand et putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Et plus ça devient en fait assez gros l'importance de votre quête. Et c'est vraiment pas mal. Les cinématiques sont cool. Franchement, les modèles, c'est de la PlayStation 2. On était, je crois, un peu plus ou moins vers la fin de la... ou au début de la PlayStation 2 même. Que dis-je ? Et les graphismes sont très 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 bons encore. Les modèles sont très bien faits, assez détaillés, il y a toujours un peu ce côté cartoon en fait. Ah tiens, il y a Zephyroth Bis 2.0. Le côté cartoon est très bien respecté, c'est pas non plus bizarre, les animations sont très belles, vous voyez là, la danse est très très bien foutue. Hein. Il n'y a vraiment rien à redire.
Et en plus, elle a une forte poitrine, donc encore un plus, hein. On va pas se plaindre. Et puis elle a des jolies fesses aussi. Elle est quand même classe cette cinématique. Avec la musique et tout. Waouh. Je suis ouais. Ça, faut se rappeler quand même que là on est en 2001, c'est PlayStation 1, PlayStation 2, pardon. C'est super stylé. En tout cas, parlons un peu des détails. C'est bonne. Dark Cloud introduit un système qui s'appelle Georama. À l'époque, ils ont appelé ça comme ça. Et Sony parle même de Georama RPG. En gros, les Georama, c'est... Bah, c'est... En fait, c'est l'exemple du village qu'on peut reconstruire à sa guise. Et c'était encore assez nouveau. Et Dark Cloud, en fait, a introduit plus ou moins ça. Parce que le village, on peut en faire ce qu'on veut. En fait, on peut reconstruire les parties, on peut les mettre où on veut. Et je crois que on a des requêtes, genre des gens, par exemple le magasin, je sais pas, genre la brocante va dire: ah, moi je me rappelle que j'avais ma maison juste à côté de chez moi. Donc si vous mettez par exemple sa maison à côté de son magasin, bah, le personne va être contente. Et si vous faites ça en fait avec tout le monde, vous allez avoir un 100% sur le village, sur la complétion. Qu'est-ce qu'il est gros ce truc, ce génie. Vous allez compléter en fait le village à 100% comme il était avant de se faire détruire. Et là vous allez gagner des objets en plus, etc. Donc il y a aussi ça en mission, sub-mission, sub-quest. Il y a des quêtes de partout en fait dans le jeu, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de choses à faire. Après il y avait un système aussi qui est très très addictif, si je me rappelle bien. C'est de créer en fait ces armes. Si je me... Alors, de tête, hein, on va un peu le découvrir... pendant que je joue, parce que je suis plus trop sûr. Mais si je me rappelle bien, en fait, vous preniez par exemple une arme, vous combattiez avec votre arme, et elle augmentait en fait, la familiarité avec cette arme augmentait. Et une fois qu'elle était à fond, bah, l'attaque n'augmentait plus. Et vous pouviez en fait installer, il est méchant le génie, vous pouviez installer genre des pierres dessus, pour des pierres de taillade et tout ça, pour augmenter l'attaque, augmenter... rajouter des éléments de feu, etc. Donc déjà, bon, c'est addictif, hein, le fait de farmer, de grinder en fait ces armes comme ça. Et puis après, vous rajoutiez le fait que si vous vouliez garder cette arme, mais vous en trouviez une meilleure dans un sens, et vous vouliez les plus ou moins les fusionner, c'est ce qui se passait en fait, c'est que vous pouviez faire ça. C'est que vous pouviez en fait transformer votre arme dans une sorte de matéria, et la mettre dans la nouvelle. Et donc du coup la nouvelle arme avait un putain de bond de ouf en attaque, en stats, etc. Enfin voilà quoi, c'est vraiment... C'est le genre de truc qui est très addictif en fait pour du RPG, parce que ça mélange farm, découverte de nouvelles armes, stats qui augmentent, etc. Donc c'est super addictif. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Vous rajoutez ça avec le fait que il y a de la gestion avec votre village et tout ça, où vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça rend fou quoi, il y a tellement de choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis le village est très grand aussi. Ah, ça arrête pas de danser hein, dans le jeu.
Et je me rappelle que dans le 2, le 2 on le fera, je pense que je le sortirai un jour ou l'autre. Le 2, je me rappelle que vous aviez un robot que vous pouviez customiser, mais je crois que... Je pense qu'il n'y avait plus la gestion des villages, je suis plus trop sûr de ça, mais à la place vous aviez le robot, ou alors il y avait le robot en plus, je me rappelle plus vraiment, donc on verra ça après. Mais il y avait un robot que vous pouviez customiser, genre lui mettre des armes et tout ça, c'était top, c'était vraiment top. Par contre, je dois dire qu'il est un peu lourd à faire tourner sur l'émulateur. J'ai dû un peu trafiquer les options aussi, donc j'espère que ça rendra bien sur la vidéo, j'espère. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant ça. Le jeu il est un peu gros, on va dire. Oh mon Dieu. Tohan. Alors met du temps à tomber la truc. Hein. Ah, je crois qu'en fait celui-là qui prend les parties du village, je crois que c'est un gentil en fait. C'est pour empêcher que les gens meurent. Maintenant, je m'en rappelle un peu. Enfin, on verra ça. Que je lise un peu le Wikipédia par rapport à ça. Donc après, il a été ensuite réédité en 2002 aux États-Unis dans la gamme Greatest Hits, donc les meilleurs titres. Et au Japon, du meilleur jeu PS2 classique en 2018. En 2002, pardon, 2018. Et en 2012 même. Ah, il est enfin en téléchargement sur le PlayStation Store pour la PS4 depuis décembre 2015. Vous avez imaginé un peu le temps que ça a mis pour avoir ce jeu. Donc quand je l'avais testé, sûrement, parce que ça fait quelques années quand même que la Vita est sortie et que je l'avais pris tout ça. Enfin, je pense pas que le jeu puisse tourner sur la Vita, mais c'est parce que je regardais beaucoup les jeux qui étaient disponibles sur le PlayStation Store à l'époque. Il n'était pas disponible sûrement, et c'est à peine en 2015... que vous pouvez le prendre, et il tourne seulement sur la PlayStation 4 apparemment. C'est fou ça. C'est pour ça que j'aime pas trop ce que Sony fait. Je déteste quand c'est seulement sur PlayStation, car c'est toujours la merde. Il faut avoir genre des comptes japonais, des comptes américains, des comptes européens. Enfin voilà, c'est chiant, c'est chiant. Donc c'est le grand sage qui a fait qui a pris les morceaux de village. Voilà, il a fait ça en fait pour éviter qu'il soit complètement détruit par le génie. Et il nous a donné un truc sur le gant, là. Ça nous permet de les récupérer, les parties du village. Incroyable. Le jeu est sorti en 2001. Fallait attendre 2015 pour qu'il soit sur le PlayStation Store. Quoi. Pourtant, le PlayStation Store, hein, il est pas sorti en 2015. Quand même. Il est sorti quand, le PlayStation Store? Genre, depuis quand on peut enregistrer, enfin télécharger des jeux? Octobre 2008. Depuis la PSP en fait. Ah voilà, voilà. Des fois le jeu a un peu des ralentis, vous allez l'entendre avec la musique. Enfin moi je l'entends, je sais pas si vous ça va le faire. Mais voilà, ça arrive, j'espère qu'en combat normalement ça devrait pas le faire, mais c'est un peu le problème. Ouais, donc depuis 2008 il y a le PS Store, et il fallait attendre 2015 pour qu'ils le foutent sur le PS Store. C'est fou quand même, c'est fou. Moi c'est pour ça que j'aime pas, dans un sens j'aime plus trop Sony, mais bon, pas grave. Donc ça c'est la place en fait où c'est qu'il y avait le village. Donc là on peut se déplacer comme ça aussi, ça va plus vite. Donc là on va pouvoir en fait prendre des parties. Géorama, voilà le menu Géorama.
Donc on a la configuration. Pour l'instant, on n'a rien, évidemment. On peut move, remove, analyse. Si la collection complete et request, en fait. Si les quêtes, elles sont complètes. Si, le... si vous avez toutes les parties aussi qui sont complètes, la collection, etc. Enfin, voilà. Il y a plein de choses à faire. Et pour l'instant, on a ça. On a juste ça, nous. Alors des fois faut regarder parce qu'il y a des objets, je me rappelle, il y a des objets autour des bâtiments. Et les bâtiments qu'on va récupérer, il y a souvent des objets. Maman, j'y suis rentré. Enfin non, je crois que sa mère elle est dans une boule. Allez, donne-moi un truc. Il va donner une clé. Et c'est pour ça aussi que j'aime pas quand c'est... Ah, on peut pêcher aussi, je crois bien. Oh, c'est un truc de fou. C'est pour ça que j'aime pas trop quand c'est que Sony. C'est comme Demon's Souls, c'est que Sony, donc ça sortira sur rien d'autre. Mais ces jeux comme ça, en fait, méritent d'être sur minimum PC. Vous savez pourquoi? Vous savez, en fait, c'est tout simplement à cause de mod, grâce au mod. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui bosseraient à fond sur Dark Cloud pour le genre rajouter des choses, des villes, du gameplay, rajouter des graphismes. Déjà, quand, franchement, les graphismes, pour l'époque, ils sont très bons. Ils sont encore très, 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 très bons. Ah oui, alors ça c'est quand vous utilisez les objets. Attendez, on va peut-être regarder le menu. Le menu c'est où? C'est là. Alors en arme, on a la dague. Donc vous voyez, il y a aussi les armes peuvent se briser. Alors, je me rappelle que c'est un peu chiant en fait quand les armes se brisent. Parce qu'au début c'est un peu la merde, vous n'avez pas vraiment de poudre pour réparer. C'est un peu la dèche. Mais après vous voyez que customisé, il y a deux... slot, il y a deux carrés, un bleu et un blanc, et là en fait ça vous permet de mettre des choses, des matérias, des attachements, ils appellent ça, et vous voyez qu'après il y a attaque, speed, MP, etc. Après on a les éléments, donc là on a de l'attaque de vent dessus qui est actif, bon on a que 4, c'est pas beaucoup, et après on a contre tel ou tel monstre, telle ou telle race en fait, donc voilà, donc du coup en fait, il y a énormément de choses que vous pouvez faire. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. Voilà, les attributs, on a ça. Donc on met le vent, on l'active le vent. On peut changer en fait les attributs. Tant qu'il y a minimum 1, on peut mettre des attributs, on peut activer les attributs. Donc ça c'est équipé.